Hop, excusez-moi pour ça. Allez, c'est parti. Salut les gars, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, donc en UHC Run. Donc, excusez-moi pour le premier écran, je sais pas pourquoi le record voulait pas se lancer. J'ai dû repasser en petite fenêtre. Donc voilà, donc ouais, une petite vidéo en UHC Run, ça faisait longtemps. Donc voilà, cette fois-ci en solo, c'est la première fois. Donc on va voir ce que je suis capable de faire. Hop, essayez mon rudimentaire, c'est parti. Un peu de bouffe, donc UHC, un classique. Hop, on va voir ce qu'on peut faire. Non, là, il y a des petits arbres à pommes. Je vais découper quelques arbres vite fait. Ok, au début. Après, je redécouperai. Voilà, j'ai une petite pomme au cas où. Et 5 bûches, ça me paraît pas trop mal. Il y a des petits cochons là-bas. C'est pas mal pour le cuir. Donc, hop, on y va. Prendre du mouton, de la bouffe. Jamais assez, hop, en plus ça fait des fils. Oh putain, l'autre il t'a pas droppé. Fil, non, c'est pas grave, on va peut-être en croiser d'autres. Ce serait pas mal s'il pouvait dropper un dernier fil. Oh, il y a lui là. Putain, j'ai pas trop de canne à sucre, ça se fait un peu chier. J'espère que lui me pique la canne à sucre sur Pélo. Il y a encore quelques petits cochons tués et ça va passer. Hop, donc je joue en Quick Pro, donc c'est vrai que la speed c'est pas perfect, mais c'est pas grave. J'y suis habitué, je sais quoi. Beaucoup d'entre vous qui aiment pas ça. Donc voilà. Merde, j'ai déjà pris un cœur. Mais c'est pas grave les amis, parce que les pommes régènent 4 cœurs, donc on s'en tape. C'est pour ça que j'y vais archi vite en mode aucun respect. Pour ma barre de vie, voilà, encore une fois, un cœur de perdu, mais c'est pas très grave. Hop, allez. Normalement, je rush, je rush. Rush, canne à sucre, canne à sucre, canne à sucre, canne à sucre. Pas de canne à sucre, sérieux. Des vaches. Bah, du côté du fleuve par là-bas, il y a de la canne à sucre ou pas? Et j'en vois pas, hein. C'est triste ça. Moitié entre avec ses ennemis et une jungle. Allez! Hop! Putain, un peu de canne à sucre. Non, pas de canne à sucre, c'est triste. Ici, il peut pas y avoir un peu de canne à sucre. Généralement, dans les jungles, il y en a pas, je sais plus, semble. Table de craft, ça se trouve c'était la mienne. Ok, il y a un mec à mon avis, il doit chercher également la canne, ou alors il l'a déjà prise. Aïe aïe, c'est pas bon tout ça. Si on trouve pas de la canne à sucre, ça va être un peu la merde. On voit qu'il y en a qui se prennent des dégâts. Bon, il y en a qui prennent vraiment beaucoup plus de risques que moi. Moi j'en prends un certain nombre. Ici pas non plus. Hop. Allez, 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 y a rien là-bas. Là. Pas être obligé de se le faire nous enchante quand même. Allez, c'est pas possible ça. Là, y a de l'eau, y a rien. Ah si, y a un. Oh putain, y a un village. S'il n'est pas exploré, c'est royal. Ça a pas tout, ça a pas trop l'air. S'il n'y a pas de bibliothèque, par contre, c'est la loose ultime. J'ai peur qu'il n'y en ait pas en fait. Oh. Attends, il n'y a pas. Oh. Aïe aïe aïe, la loose ultime, les gars. Oh. Ouais, d'accord. En fait, il y a déjà un mec qui est là. Oh putain, la loose ultime, les gars. Ouais, d'accord, le village PNJ au-dessus de la faille énorme, quoi. Oh putain, la loose! En plus, il y a de la canne à sucre là-bas, mais elle est de l'autre côté du mur. Oh putain, les gars, faut trouver maintenant! Fais chier, j'ai reperdu. Putain, il faut pas y en avoir un peu là. Merci pour la pomme. S'il y a de l'eau là, il n'y a rien. C'est encore de l'autre côté du mur, je sens une merde comme ça. Putain, c'est pas possible ça. Allez, canne à sucre.
peux même pas récupérer de sable si je trouve un désert, c'est pas cool ça. Bon, j'espère que la partie va pas être trop dégueulasse, que sans regarder dessus, ça va être la grosse merde. Plus là, les mecs sont déjà tous en terre. Il y a un peu d'eau là. Ah ouais, mais ce qui coule, donc laisse tomber, pas de canne à sucre là, ouais c'est ça. Rien ici aussi, non. Ah ici aussi y'a rien, putain je suis sûr qu'il a pris la canne à sucre qui était là. Hop, vite fait, je prends du sable. Go, allez, on descend. Ici, il n'y a rien, que je me rassure. Ouais, non, il n'y a rien. Go. Ah, il y a un autre village. Oh, je suis obligé d'aller voir quand même. Obligé. Vite, vite, vite. Là, faut vraiment se grouiller archi vite. Go. Je pense que c'est déjà exploré. Ouais. Je vois déjà plusieurs noms. Tu peux me dire qu'ils n'ont pas été dedans. D'accord, c'est cassé carrément. Et bref, laissons tomber. Hop. Hop, direct, on descend la rage, c'est parti. À l'ancienne. Bon, ça va être très chaud cette partie, les gars. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Oh, putain, il y en a déjà un cœur. Donc, on n'aura pas d'enchant. Ça va être beau ce niveau-là. Allez, allez, allez. Par contre, on est rentré dans les grottes un peu tard. 13 minutes, ça va être chaud patate. J'espère qu'on aura les potions quand même. Tu as de la canne STP, rire. Ok, l'opsy. Mais je vais pas la récupérer la pioche en pierre quand même. Putain, je saurais pas trouver de fer. Pas descendre tout sous la couche 10 quand même. Quoi me faire un arc, c'est pas mal si j'ai trouvé du gravier après. C'est bon du fer. Yes. Par contre j'ai quasiment pas de bois, ça c'est du. Ça c'est le gros lol. C'est vrai qu'il faut pas faire de torches, que franchement. Hop. Ouais, franchement là, j'ai pas blagué là sur le bois. Bon bref. D'habitude j'en prends plein et là j'ai pas rien. Et en même temps j'étais en train de chercher la canne chaque fois, donc forcément pas forcément taille. Pas d'opsy, pas besoin. Allez, des choses pas possible autrement. Rien du tout pour l'instant. 10 minutes, il y en a qui sont déjà presque full diams, sur certains même. Allez, allez, les dieux du diams, donne-moi du diams, j'ai même pas du charbon pour vous éclairer, quoi, c'est vraiment horrible. Ah, de la redstone. Désolé pour ça, mais comme je peux pas vous éclairer, bah. Ah, j'entends de l'eau. Par là. De l'or. Que deux pommes d'or, par contre, c'est vraiment pas beaucoup. Il augmente le son.
Franchement, j'entendais une grotte, c'était peut-être au-dessus. Prends le fer, hop. C'est parti. Toi. Ah oui, c'était au-dessus. Parfait. Un creeper. Du fer. Du charbon pour pouvoir vous éclairer. Hop, voilà, t'as pété, parfait. Hop, de la redstone, je vais jeter, mais on en retrouvera, non, logiquement. Hop, ouais, c'est bon. Là, c'est de toute façon, j'ai pas besoin de quoi s'enchante. Hop. Ah, il y a un truc qui va péter, non. Il y a un nether juste à côté. J'entends le feu. Faut que j'y aille. Il est là, le spawner à Blaze qui est là. Même je peux vous le dire direct. Ouais, il est juste à côté là, le spawner à Blaze. J'essaie de pas trop perdre de cœur parce que j'ai que deux pommes donc. Normalement, d'habitude j'en prends une dizaine. Je dis ça, je me prends un dégât de chute. Pas droppé, s'il a droppé un, allez une deuxième, tu fais. Je peux même pas faire des potions. Oh, drop à deux, alors d'habitude, des fois il y en a qui se drop même pas. Ok, il y en a deux, hop, c'est parti. Puis il faut se grouiller. Ok, la source est buggée, je peux la ramasser, j'avais oublié ça. Allez, go go go. Attention, peut-être au-dessus. Non, il pleut. J'ai pas besoin de tourner les arrières, j'avais oublié. Hop, du coup, je vais même pas pouvoir faire de MLG. Donc, avant, il y avait de l'eau ici, là, il y en a même pas, super. Hop, on mine là, go. Et hop, il y a ce coffre, voilà. De l'or, de l'or, de l'or. Putain, fais chier, j'aurais pu prendre plus de pommes. Pas fait gaffe. 4 de diamants. Putain. Allez. Go, go, go. 6 minutes. Ça. Ici il y a un creeper et rien du tout. Et ici une source d'eau pour que je puisse la récupérer avec mon seau. Hop, voilà, parfait. Du fer, juste en reprendre un poil plus, ça peut servir. Il me semble qu'il n'y a pas l'épée, il n'y a pas les silverfish, bon c'est pas grave. C'est où? C'est par où? C'est pas grave, je redescends à l'arrache. J'étais arrivé par l'eau, il me semble. Allez, go. Les troncs, ce bordel. Trouvons des choses. Il y a un lac de lave à droite. Ouais. Ah voilà, il est là. Hop.
la raid. Ça redonne direct sur le même nether. Oui, c'est ça, oui. Parfait. Alors, je prends un peu de raid, du coup. Hop. Là, c'est suffisant. Vamos, on continue. 4 diams, ça va pas être suffisant. Oh, 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 c'est quoi ça? C'est un petit lac de merde, je parie. Ouh. Ah, je l'avais vu en plus. Putain, quel boulet. Ah, mais lui aussi, mais putain, fais chier, je suis tombé sur des roches qui sont malchanceuses. Putain, je vais devoir changer de pioche. Les zombies. Allez, je cherche ce zombie. Tu encore. Pas encore la même grotte quand même. Non. Ok, petit cœur qui va bien avec le zombie. Du diams, ça, ça va mieux aussi. Putain, que 3, c'est sérieux. J'ai de quoi faire. Un plastron. Non, on n'a pas mangé les pommes surtout. Le petit creeper, on t'a vu là. Hop, le squelette aussi. On s'en fout que tu nous mettes un cœur. Hop, encore des diams. Encore un filon de 3, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Du coup, on en est rendu à 16. 8, 4, 12. Non, il nous en manque un pour faire le casque. Ok, le petit lingot d'or, on t'a vu. Attends, faut vraiment que je prenne des pommes au spawn. Téléportation dans 2 minutes, faut vraiment que j'explore vite fait. Parce que là, il y a des trucs à voir. Non, je vais pas aller explorer derrière la lave. Il n'y a rien, ici il y avait de l'or, on l'a vu. Enfin en soi, faudrait même pas que je le ramasse. Mais je vais arrêter de le ramasser. Il faut du diam juste. Pas de temps à perdre. Du diam, s'il n'y a pas dans l'eau là. Non. Réfléchir, perdu du temps. Ici, il n'y en a pas du diams, non. Ça n'existe pas le diams dans ce monde. Ici, il y a du diams ou pas? Oula, bonjour toi. Ça donne sur le nether là-bas. Oh, il y a du diams sous le squelette. Du diams partout ici. Meurs-toi. Je peux pas pouvoir tout faire, mais chier. Bien fait de continuer mon exploration, je trouvais là le diams. Putain. Ça va être chaud patate, il va falloir se grouiller. Très bien.
Ok. Alors pour ça, c'est fait. Faudrait idéalement 4 plombes de plus. Tant pis, je ferai pas des longues, j'ai pas le time. Y'a rien pour casser des armes, non? Vas-y, fuck, je fais une hache en diams. Hop, comme ça, ce sera fait. La trouille parce que là je regarde pas. Ok, go. Allez, go. On va voir ce qu'on va pouvoir faire, les gars. Hop, allez. Si on pouvait juste choper quelque pomme, ce serait sympathique. Il y a un pélo là-bas. On va essayer de le tuer. Allez. Ok, je me suis fait shot. Oh putain, il faut que je me tire. Il est en haut de la montagne. Sûr et certain. Qu'est-ce qu'il avait? Sharpness 3. Yes. Je vais repouffer une. C'est encore des 3 minutes. Instant heals, instant heals. Putain. Les arbres. Il est où? Il est là. Faut que je me tire parce que j'ai pas de vie. Faut que je me tire. Il me suit. Faut que je me tire, faut que je m'échappe. Putain, j'ai perdu un demi-cœur en plus. Allez, donnez-moi des pommes, merde. Allez les gars, on a 2 pommes. Mon inventaire est pas du tout rangé, ça me saoule. Ça. Hop, c'est parti. On a des instant heals. Je sais pas combien il remonte les instant heals. Ouais, c'est chaud cacao, comme on dit dans le jargon. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est plus que 2. Oh putain, on est plus que 2. My goodness. Where is him? Où est-il? Presque en 0-0. J'ai peur, ça peut pas le voir. Ou s'il est là.
Yes, GG les gars. GG, ouais, c'est la victoire. Putain, oh, j'y croyais pas. Oh putain, j'y croyais pas. Je suis une que deuxième en kill, deuxième en damage. C'est lui qui avait fait le plus de damage. Oh putain, heureusement que j'ai chopé ce nether là. Aïe aïe aïe. En plus, à un moment, il m'avait bien enchaîné. Ah là là, bien joué à lui. Bon bah voilà, victoire. Première fois que je suis un UHC solo en vidéo. Première victoire. C'est pas la première victoire en UHC solo, je vous rassure. Mais bon, quand même, que je vais juste vous montrer mes stats. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué en UHC Run en réalité. En UHC Run, ouais, j'ai 5 victoires, 34 joueurs tués. Donc j'ai pas énormément joué, contrairement au premier qui a 2640 joueurs joués, 446 victoires. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, bah évidemment, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est ce qui fait avancer la chaîne, hein, c'est ce que je vous dis à chaque fois, mais c'est vrai, hein, y a rien d'autre qui fait avancer la chaîne, c'est uniquement le pouce bleu, c'est vraiment le plus important, et en plus ça vous prend pas beaucoup de temps, et ouais, franchement, c'est vraiment sympa quand vous mettez un pouce bleu, ça aide grandement la chaîne à se développer et à avancer. Donc sur ce, bah, sur cette belle victoire, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine, ciao!